On va aborder maintenant l'œuvre de Mac Orland, puisqu'on est un peu dans le triangle des Bermudes de certains des romans de Mac Orland, hein, qui dont l'action se déroule dans le secteur. Mac Orland, alors si vous connaissez peut-être Mac Orland, je ne sais pas qui c'est. Non, c'est à la fois un romancier, c'est un peu sa particularité, c'est à la fois un romancier, c'est aussi un auteur de chansons. Et c'est aussi un. Alors après, la liste de ses activités est assez pléthorique, hein, parce qu'il a à la fois. Quand on parle de Mac Orland, on pense par exemple à Quai des Brumes, le film avec Gavin, voilà, qui est adapté d'un de ses romans. Il a aussi été un des premiers scénaristes de BD, puisqu'il a. Il a fait des scénarios de BD préhistoriques, un peu au tout début de l'histoire de la BD. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu multimédia, quoi, on va dire, entre gros guillemets. Et nous, on s'est intéressé à ces chansons. Ces chansons, ça s'appelle Chansons sans accordéon. Et nous, donc, pardon, ça s'appelle Chansons avec accordéon, excusez-moi. Et donc, nous, on a rebaptisé ça Chansons sans accordéon, parce qu'on ne sait pas jouer d'accordéon. Et bon, on y met du cœur quand même, hein. Et donc, voilà. Qui est Mac Orland? Eh bien, alors, peut-être pour commencer. Puisque c'est un mystère, évidemment, c'est difficile de le caractériser. On pourrait juste résumer en disant que Mac Orland, c'est un spécialiste de la nuit. Sous la lune malfaisante, dans un décor défraîchi, n'entendez-vous pas des cris? Est-ce un rat qui se lamente? Est-ce un greffier de gouttière? Ce n'est que l'hymne de guerre des gentlemen de la nuit. Sur les bords de la Tamise, de l'île aux chiens à poplard, c'est la nuit des entreprises, des mariniers du brouillard. Mr. Burke et sa traîtrise portent partout la hantise des gentlemen de la nuit. Burke maquille les cadavres d'un faunet de muscadins pour les vendre aux carabins épris de travaux macabres. Ce carnaval pitoyable, c'est le trafic incroyable des gentlemen de la nuit. Rôder dans les rues, chacun fermait ses volets, on armait ses pistolets pour fêter la bienvenue. Les habitués des tavernes guettaient dessous les lanternes des gentlemen de la nuit. La vie n'était plus tenable, les malfrats buvaient de l'eau, c'était de vrais tourtereaux. Dans ces bars intolérables, Master Burke l'inavouable n'obtenait plus le crédit des gentlemen de la nuit. L'infernale fourberie des brocoteurs de caveaux sentait l'odeur du bourreau. Ils se foutaient de la vie, le vent soufflait en folie sur le sort des affranchis des gentlemen de la nuit. Soit la potence du quai des exécutions, les pendus noirs de goudron dans des corbeaux font bombance. Le destin boucle la route, mais sans apporter l'absoute aux gentlemen de la nuit. Le secret de ces paroles protégera les bons garçons qui apprennent leurs leçons à la sagesse des écoles. Car c'est la mort qui frivole dans le destin raccourci des gentlemen de la nuit. Thank you.
vachement fantomasse, quoi. Vous trouvez pas ? Alors Macorlan, en tant qu'auteur de chansons, il est connu pour faire partie du club très fermé des gens qui savent écrire des chansons qui font pleurer les légionnaires et les marins. C'est un club. Hein. Voilà, et on va vous en chanter une qui s'appelle « Ça n'a pas d'importance ». Voilà, chanson pour faire pleurer les marins. Thank you.
Merci. Alors c'est un peu dur de caractériser Macorlan, parce que par certains côtés c'est un écrivain du 19e siècle, il avait une manière d'écrire un petit peu peut-être passé de mode déjà à l'époque, puis par certains autres côtés c'est déjà un homme du 21e, super multimédia, tous azimuts, hein, il touchait un peu tous les domaines. Mais enfin on a retenu qu'une chose, c'est qu'il avait un béret et un perroquet sur l'épaule. C'est devenu en fait, ça fait de lui la première rockstar de la littérature, quoi. Une espèce de truc, un gimmick totalement immédiat. Et il s'était donné beaucoup de mal pour se composer un personnage comme ça de vieil écossais, lui qui n'avait absolument rien d'écossais. Un vieil écossais un peu pirate, quoi, oui, porté sur le tabac. Voilà, c'est une création, déjà, son personnage est déjà une de ses propres créations. C'est surtout, il faut le dire, c'est surtout un poète qui aimait jouer avec l'obscurité. Tu sais que c'était un spécialiste de la nuit. Il aimait aussi jouer avec l'obscurité dans les chansons, et parfois il faut quand même s'accrocher à ses chaussettes pour comprendre exactement de quoi ça parle. Et j'en veux pour preuve ce morceau qui s'appelle « La fille de Londres ». D'être fauché quand il en skie de l'eau de vaisselle et de ne pas savoir coucher.
flancheurs volantes. Dehors c'était le vent sur Paris et sur le dos du pauvre monde. J'étais flanchon dans ce tapis où l'on se saoulait de rogomme. Tu me fis boire toute la nuit. Toi Gérard de je ne sais plus comme. À quelle disgrâce d'être fauché quand il en ski de l'eau de vaisselle et de ne pas savoir où coucher entre la lune et la chandelle. À quelle disgrâce d'être fauché quand il en ski de l'eau de vaisselle et de ne pas savoir où coucher entre la lune et la chandelle. Tu m'appelais ma fleur de mai, tu me parlais d'un paysage dans un patelin ensoleillé, comme une fête de village. Et puis tu t'en remuant les doigts, tu te dérobas dans la flotte, coiffé de ton chapeau bourgeois, la tête en feu, cœur en ribote. On l'a retrouvé au petit jour, tendu comme un drapeau en berne, devant ta pifron, nos amours, dans la rue de la vieille. On l'a retrouvé au petit jour, tendu comme un drapeau en berne, devant ta pifron, nos amours, dans la rue de la vieille lanterne. À quelle disgrâce d'être fauché, à quelle disgrâce d'être fauché, à quelle disgrâce d'être fauché. Quelle disgrâce d'être fauché quand il en ski de l'eau de vaisselle et de ne pas savoir où coucher entre la lune et la chandelle. À quelle disgrâce d'être fauché quand il en ski de l'eau de vaisselle et de ne pas savoir où coucher entre la lune et la chandelle. Thank you.